America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم أولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. Aux États-Unis, les manifestations des étudiants qui dénoncent une guerre génocidaire menée contre la population de Rezat prennent de l'ampleur et s'étendent à plus de 50 universités. Le soutien du président américain Joe Biden à l'entité d'occupation a suscité des appels de colère exigeant l'annulation de son discours prévu lors de la cérémonie de remise des diplômes au Morehouse College d'Atlanta ce 19 mai. Au sein de l'Université du Texas à Dallas, des sit-ins sur le long du couloir qui mène au bureau du président de l'établissement sont organisés. La semaine dernière, les étudiants de Columbia ont établi un campement à l'intérieur du campus, ce qui s'est soldé par l'arrestation de plus de 100 personnes après le feu vert délivré par le président de l'université à la police de New York. Le maire de New York, Eric Adams, évoque des problèmes de sécurité et minimise l'engagement des étudiants. And they are actively creating serious... Ils créent de sérieux problèmes de sécurité lors de ces manifestations. Peut-être que certains des étudiants impliqués ne comprennent pas ce qu'ils font. Nous demandons instamment à ces étudiants et à tous ceux qui violent les règles de Columbia de quitter la zone, de la quitter immédiatement. Avec nous en ligne à partir du Québec, M. Donald Cocciolletta. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes historien canadien, professeur à la State University de New York, membre de l'Observatoire sur les États-Unis. Monsieur Donald Cocciolletta, les mobilisations actuelles sur les campus sont-elles un prolongement de ce qui s'est produit dans les années 60? C'est le retour des années 60 aux États-Unis, c'est exactement ça. Puis assez curieusement, les deux universités qui ont parti le bal de contestation, ce fois ici, c'est les deux mêmes en 1900, dans les années 60, Columbia puis Berkeley, assez curieusement. Donc, finalement, on est de retour, finalement, à les luttes étudiants et étudiantes un peu partout aux États-Unis. Ce fois-ci, c'est clair, qu'est-ce qui le cible dans tout ça? C'est M. Biden, évidemment. M. Biden soutient la guerre à Gaza. Mm-hmm. Les étudiants ne veulent plus cette guerre-là. Non seulement ça, mais il faut dire que tout ce mouvement-là dans les universités aussi, c'est les communautés palestiniennes et les communautés arabes à travers les universités aux États-Unis. Au tout début, ils ont créé un mouvement qui s'appelle « Uncommitted », ça veut dire « nous allons pas voter aux prochaines élections pour M. Biden » et puis ni l'autre politicien non plus. Ça veut dire que dans les faits, ces gens-là ont décidé que finalement, le mouvement qui est mis en place par eux a commencé au Michigan, à l'Université du Michigan et d'autres États aussi. Et là, ça s'est répandu évidemment à Columbia et Berkeley. Mais il faut dire aussi que les autres étudiants qui étaient là aussi soutiennent et que finalement, Biden, il est en grave difficulté. Fait que finalement, c'est tout le mouvement qui a repris 60 ans plus tard. C'est assez incroyable. Puis on pense, on craint aussi que même là, on va commencer à voir les Afro-Américains descendre dans la rue puis soutenir aussi les étudiants
étudiants, comme ça s'est fait dans les années 60. Le Vietnam, les gens t'en comptent le Vietnam, et par la suite, c'est qu'est-ce qui est arrivé? C'est les droits civiques, les Afro-Américains, la question de droit de vote, puis par la suite, il y a toute la question du contre-culture aussi aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis au niveau sociopolitique et même socioculturel qui fait que la jeunesse veut finalement que ces choses-là arrêtent, et particulièrement la guerre contre Gaza, la tuerie contre les Palestiniens, et ils pointent le doigt à M. Biden. Monsieur Donald Cocciolletta, vous nous rappelez des événements précis, vous avez raison de le faire. Les mobilisations aux États-Unis ont réussi à stopper la guerre au Vietnam, à faire retomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud, on en parlera un peu plus tard, à annuler le système ségrégationniste raciste. C'est ce qui explique que les gouvernements occidentaux, en l'occurrence, craignent des changements aujourd'hui, car préalablement, ceci a toujours abouti à un résultat en faveur des mobilisations? Oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui est un enfant des années 60. Et j'ai été allé à plusieurs des manifestations aux États-Unis à ce moment-là. Je connais très bien qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça aboutit effectivement à un changement profond sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sociétal. Finalement, c'est là que les États-Unis est devenu davantage un pays qui regardait le monde autrement. Autrement. C'est sûr que les gens d'une certaine génération et les politiciens n'aimaient pas ça. La police était trop présente, comme il est aujourd'hui. Hein? Les policiers, dans certains États, on envoie la garde nationale, comme on a fait dans les années 60. Oui. Donc, finalement, on est rendu à une situation où est-ce que les étudiants ont quand même développé ce que j'appelle une conscience internationale. Conscience internationale, comme on a vu dans le passé, puis cette fois ici, plutôt que ce soit pointé le Vietnam, on pointe Gaza. Plutôt que de s'attaquer à Benjamin Netanyahu, on pointe le doigt à Joe Biden. Parce qu'on sait que les États-Unis, il faut le dire, soutient M. Netanyahu, lui a donné le milliard de dollars en armes, il soutient tout ce qu'ils ont besoin pour faire cette guerre-là. Donc, les jeunes Américains, les étudiants de toutes sortes de groupes, finalement, pointent le doigt à M. Biden en disant « Cessez cette guerre maintenant ». La mobilisation estudiantine contre la guerre du Vietnam, qui s'est tenue dans des circonstances, disons-le, différentes, a tout de même conduit, selon certains observateurs, et là, je présume que vous avez également des éléments de réponse à amener, a tout de même conduit à la chute de Richard Nixon, a conduit à ce que le mandat de Richard Nixon soit écourté. Oui, en plus de ça, vous avez tout à fait raison, mais avant lui, même Lyndon Baines Johnson n'était pas représenté non plus. Hein? Et quand il a vu ça en 68, il s'est pas présenté. Ça fait partie des années 60, ça aussi. Et qu'effectivement, Lyndon Baines Johnson a pris la place de M. Kennedy pour remplir son mandat, mais par la suite, je ne veux plus aller dans cette direction-là, je veux plus avoir les guerres, je démissionne. Et donc, c'est Richard Nixon qui a pris le dessus, mais Richard Nixon s'est amené jusqu'au Watergate, puis finalement, avec le Watergate, Nixon, finalement, est obligé de se retirer. Ça a été vraiment un désastre, on peut dire, pour la classe politique américaine, c'est ça. Et c'est la victoire est faite par la population américaine, qui est à des étudiants, absolument, c'est eux qui ont commencé au tout début, mais à part suite, les Afro-Américains, les Hispanophones, même certains Autochtones, qu'on voyait dans l'Ouest américain, qui ont appuyé tout ça. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Même chose, exactement. C'est incroyable comment qu'on voit quelque chose se répète. Oui. Et parfois, c'est pas si différent que ça. Les cibles sont un peu différentes, mais quand même. Oui, c'est peut-être parce que les politiques sont de mauvais élèves, monsieur Donald Cocciolletta. En 1960, les quatre jeunes de Greensboro ont organisé un sit-in pour les droits civiques. Quatre jeunes qui ont bousculé l'histoire des États-Unis. C'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Bousculer l'histoire des États-Unis. Le bousculement est allé dans une bonne direction. Parce que finalement, c'est toute la question des droits civiques. Écoutez, dans les années 60, au début des années 60, les Afro-Américains se présentaient pour aller voter
et les gens disant, est-ce que vous êtes capable de citer la Constitution américaine? On est en 1960, 63, 64, 65, toute la décennie des années 60. Les Afro-Américains se présentaient pour aller voter une élection finalement au niveau de l'État, une élection au niveau de la Chambre des représentants, ou le Sénat, et même la présidentielle à tous les quatre ans. Puis automatiquement, ceux qui se présentaient, on ne leur demandait pas s'ils avaient une carte d'affaires. Est-ce que vous êtes capable de citer par cœur la Constitution américaine? Parce que aux États-Unis, on ne peut pas dire que les Afro-Américains ont la pleine liberté de faire ce qu'ils veulent. Effectivement, ils sont dans une situation économique désastreuse, comme beaucoup de gens de la classe ouvrière américaine, beaucoup de gens des hispanophones aussi, parce que l'économie américaine ne va pas bien. Même si on regarde le Wall Street grimpe à tous les jours, ça va bien, mais ça, c'est Wall Street des riches et des ultra-riches. Le monde ordinaire, la classe moyenne et la classe ouvrière en aux États-Unis souffrent. Fait que vous voyez, la situation est vraiment difficile. Fait que moi, je me dis, si les étudiants commencent la lutte et la bataille, les autres vont suivre aussi. Moi, je m'attends que ça continue de différentes façons. Et ça, ça veut dire que ça cible évidemment la classe politique américaine. Pas simplement les démocrates, mais les républicains aussi. En 1970, Monsieur Donald Kotcheux, l'État, les étudiants manifestent, violemment réprimés, ce qui a conduit à une mobilisation à l'intérieur de l'Université de Columbia. Cette même université qui aujourd'hui revient au devant de la scène. Columbia est connue pour ça, même si c'est une université très huppée, il faut le dire, et c'est une université très bien connue, la qualité de Columbia est très bien connue aux États-Unis puis dans le monde aussi. Mais il y a quelque chose qui s'est développé dans cette université-là depuis plusieurs décennies, où est-ce que les jeunes comprennent très bien qu'effectivement, ils ont un rôle social à jouer. Ils ont un rôle, finalement, à montrer que la société américaine ne va pas bien aujourd'hui, comme ils l'ont fait dans les années 60. Ça va pas bien. Ça n'allait pas bien dans les années 60. Ça va pas bien aujourd'hui. Puis ils voient aussi qu'effectivement, ces gens-là ont peut-être aussi une lutte qui mène, qui disent, mais je vais sortir de l'université, mais ça veut-tu dire que je vais avoir un emploi? C'est la présence du conscience politique. Parce que, au sein de l'université d'Harvard et Columbia, les étudiants contestaient un contrat, à l'époque, conclu par l'université de Columbia pendant la guerre du Vietnam avec un centre de recherche sur l'armement. La mobilisation a réussi à annuler le contrat. Absolument, absolument. Non, effectivement, puis moi je pense qu'on s'en va dans cette même direction-là. Moi je trouve ça quelque chose de vraiment... moi je me rappelle le premier article qui est sorti dans le New York Times, il dit « On est retourné aux années 60 ». C'est le New York Times qui le dit. Oui. Et donc, ça veut dire qu'ils savent que qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis quand une masse critique, il faut les appeler les étudiants et tous ceux qui ont les soutiennent, ça veut dire que cette masse critique-là est capable de changer la donne aux États-Unis sur le plan politique et sur le plan socio-culturel aussi. Et ça, j'en suis convaincu que beaucoup de politiciens aux États-Unis, surtout les politiciens aujourd'hui qui gèrent les États-Unis, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des villes, ou que ce soit aussi à Washington, tout ça, t'as pas à revenir. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que je pense que la classe politique américaine voit pas qu'il y a aussi les étudiants et ceux qui les soutiennent, et même les Afro-Américains, les hispanophones, etc., etc., voient maintenant que leur lutte n'est pas simplement une lutte américaine-états-unienne, mais elle est aussi une lutte internationale. Monsieur Donald Cocioletta, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours un plaisir. Nous sommes le 1er février 1960, il est 16h30. Quatre étudiants afro-américains s'assoient au comptoir d'un restaurant situé à Greensboro, une ville en Caroline du Sud. Ils s'étaient assis là où ils n'étaient pas autorisés à prendre place. Ils avaient décidé de prendre position contre la ségrégation. Les employés qui obéissent à la politique du magasin refusent de servir des hommes de couleur à un comptoir réservé aux blancs. Il leur est demandé de partir, mais ils restent jusqu'à la fermeture. Le lendemain, puis les jours suivants, d'autres étudiants se joignent à ce qui allait devenir le sit-in de Greensboro. Le mouvement se propage dans les autres villes de l'État. Les étudiants mettent en place un boycott visant les magasins qui pratiquent la ségrégation à leur comptoir. Les ventes des commerces ciblés
chute de plus de 30%, forçant les propriétaires à mettre fin à la ségrégation. Le mouvement pour les droits civiques de 1960 se répand comme une traînée de poudre dans le Sud, l'élevant à un niveau de conscience nationale. Greensboro est le combat pacifique mené par des étudiants qui ont bousculé l'ordre établi, conduit à l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et qui a finalement interdit la ségrégation raciale dans les lieux publics. Rachel McNeil, David Richmond, Junior John Blair, McClay, David McKay. Richmond, Junior Blair et Frank McKay. Nous vivions tous dans le même dortoir. Je pense que nous étions tous très jeunes. J'étais le plus jeune. J'avais 17 ans. J'ai réagi avec colère. Je n'ai pas cru un seul instant que j'étais un citoyen de seconde zone, que j'étais inférieur en quoi que ce soit. Je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Nous avons décidé de prendre position. Allons-y. Take a stand. Let's go. En 1968, Richard Nixon est élu président des États-Unis. Durant sa campagne électorale et pour franchir le seuil du bureau ovale, le 37e locataire de la Maison Blanche promet de mettre fin à la guerre du Vietnam. Une promesse non tenue, puisqu'une année plus tard est révélé par la presse le massacre de My Lai, commis par des soldats de l'armée de terre américaine. Le 30 avril 1970, Nixon annonce une incursion au Cambodge. Après de multiples consultations, j'ai conclu que les actions de l'ennemi constituent un risque inacceptable afin de protéger nos hommes qui sont au Vietnam et garantir la continuité et des succès. J'ai conclu que le temps est venu pour l'action. Une annonce qui exacerbe les tensions. Les jeunes étudiants et professeurs sont inquiets du risque d'être appelés à combattre dans une guerre à laquelle ils sont farouchement opposés. Une manifestation regroupant près de 500 étudiants a lieu au centre du campus de l'Université d'État de Kent. Le 3 mai, lors d'une conférence de presse, le gouverneur de l'État affirmait que les manifestants étaient anti-américains, déclare le couvre-feu dans la ville de Kent et demande au commandant de la garde nationale de mater toutes les manifestations. Le lendemain, juste avant midi, les militaires somment la foule de se disperser et usent de leur gaz lacrymogène. S'ensuivra une fusillade. 67 coups de feu retentissent. Les tirs tuent 4 étudiants et en blessent 9. En 1985, environ 150 étudiants avaient manifesté pendant 3 semaines et bloqué l'entrée de l'un des bâtiments du Hamilton Hall. Ils demandaient que l'université coupe tout lien financier avec les entreprises opérant en Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Après avoir longtemps résisté aux revendications de ses étudiants, l'université Columbia a fini par vendre toutes les actions des sociétés américaines présentes sur le marché sud-africain. 155 autres universités américaines lui ont emboîté le pas. Les étudiants ont fait valoir devant le tribunal que leur action constituait un discours symbolique et était donc protégée par le premier amendement. Ceci n'était pas sans conséquence sur le déroulé de l'histoire. Le 2 février 1990, le président sud-africain, Frédéric Willem, décide de libérer les prisonniers politiques, ouvrant la voie à l'abolition définitive de l'apartheid en abrogeant la dernière loi raciale le 30 juin 1991. Pik Botha, le ministre des Affaires étrangères, faisait le point. Nous sommes prêts à négocier une nouvelle constitution avec toutes les communautés. Toutes les ethnies pourraient y être représentées au plus haut niveau du gouvernement et ainsi prendre part aux décisions du pays. Je nie que la notion d'apartheid existe dans notre constitution. Moralement, je ne peux pas défendre cette discrimination basée sur la couleur de la peau ou sur n'importe quelle caractéristique physique. Je n'y crois pas. Incidental physical characteristic. I do not believe it. Les mobilisations auxquelles on assiste sur les campus américains s'inscrivent-elles dans une tradition qui remonte aux années 60?
Les étudiants sont la conscience d'un peuple et la sève d'un État. Aujourd'hui, ils se constituent en collectif et plaident pour une Palestine libre. Comité des libertés du syndicat des journalistes palestiniens Mohamed Al-Laham a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Ramallah à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse que plus de 140 journalistes sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre. Al-Laham a ajouté que 100 journalistes, hommes et femmes, ont été arrêtés depuis le 7 octobre, dont 45 sont en détention, la plupart mis en détention administrative, tandis que 4 autres sont portés disparus. La présidente de la Fédération internationale des journalistes évoque une situation sans précédent. Jamais la Fédération internationale n'a eu un score de journalistes tué aussi important que celui des morts à Gaza. C'est du jamais vu nulle part en aucune époque, même pendant les guerres, quelles qu'elles soient. L'État qui bombarde doit en répondre, notamment devant la Cour pénale internationale. Avec nous en ligne, M. Rami Abou-Jamous, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste palestinien, vous êtes avec nous à partir de Rafah. M. Rami Abou-Jamous, l'occupation a ciblé 77 maisons de journalistes dans la bande de Gaza avec des missiles et des obus d'artillerie et a détruit complètement ou partiellement 86 bureaux et institutions médiatiques. Dans quelles conditions aujourd'hui travaillez-vous pour faire parvenir la voix de Gaza? C'est très dur pour les journalistes, on est sur le terrain, on essaye de couvrir tout ce qui se passe de A à Z, on essaye parce que c'est pas toujours faisable. On a toujours des problèmes, un problème de communication avec le blackout que l'armée d'occupation il exerce de temps en temps, de couper toutes les communications. On a des problèmes de transport parce qu'il n'y a pas suffisamment de fuel pour monter dans les voitures, pour aller dans un endroit ou un autre, pour couvrir les événements. On a un problème de circulation d'infos, comme il n'y a pas d'internet. On attend les infos d'une façon régulière, mais ça devient de plus en plus dur parce que on n'arrive pas à entendre ce qui se passe suffisamment. Pour couvrir le lieu des bombardements ou bien couvrir la souffrance des gens, on a du mal à se déplacer et en même temps, on a du mal à savoir où est-ce que ça a été bombardé. Mm-hmm. Plus, il y a toujours le danger d'être visé. Comme vous le savez, on est plus de 140 personnes ou bien journalistes qui ont été visés. Donc, que ce soit eux, c'est-à-dire le journaliste lui-même, que ce soit sa famille ou le membre de sa famille, leur maison, on est une cible comme une autre. Et le problème, c'est que pour nous, et moi je parle de façon personnelle, c'est pas la première guerre que je couvre. Et d'habitude, je couvre les infos pendant des guerres, mais cette guerre-là, dès le début, j'ai senti que c'est moi l'info. C'est vous l'info. Avez-vous l'impression d'être, pardonnez-moi ou permettez-moi l'expression, traqué par l'armée d'occupation? Bien sûr. Bien sûr, tous les journalistes, on est traqués, et bien sûr, on est sur surveillance, et bien sûr aussi, tout ce qu'on publie, ils sont au courant, ils cherchent ce qu'on publie, ce qu'on dit, ce qu'on filme. Il y a beaucoup de gens, surtout, par exemple, les journalistes, ou plutôt les caméramans qui utilisent des drones et tout ça, ils sont traqués beaucoup plus que les journalistes comme moi, par exemple. On est surveillés, on est sous les yeux 24/7. Est-ce qu'il vous semble, Rami Abou-Jamous, qu'aujourd'hui, c'est l'information qui est visée à travers vous? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté que les journalistes cessent de travailler, car leurs familles sont ciblées? Oui, bien sûr, quand je dis que les journalistes, ils sont visés beaucoup plus que les autres, c'est pas parce que c'est un métier comme un autre, c'est juste parce qu'on veut enterrer l'info. On veut pas qu'il y ait des infos qui sortent de la bande de Gaza. On veut pas que la voix de Gaza sorte de la bande de Gaza. Ils veulent pas que la réalité sorte de Gaza. Ils veulent pas montrer l'atrocité de cette occupation qui est en train de faire des boucheries, des massacres 24/7. Et c'est pour ça qu'on est ciblé. C'est pas parce qu'on exerce n'importe quel métier. Quand je dis que les journalistes sont visés, c'est l'info qui est visée. C'est la réalité, la vérité qui est visée. C'est la voix de Gaza qui est visée. Vous êtes à Gaza, réfugié à Rafah en ce moment, me semble-t-il. Je parle sous votre contrôle. Oui, malheureusement, moi, je suis sorti de Gaza par force. On avait les chars derrière le dos. Ils nous ont obligés de sortir de la ville de Gaza. Justement, c'est ça le but de cette guerre-là. Cette guerre-là, c'est pas que des raillerie, des massacres. C'est aussi faire transférer 2,3 millions de personnes à l'étranger parce que l'occupation, ils cherchent la terre.
Le but final, c'est de nous faire sortir de toute la bande de Gaza. Mais nous, notre façon de résister, c'est de rester tant qu'on peut et surtout de faire parler de tout ça et faire sortir l'info et que tout le monde voit, écoute et entend ce qu'ils font comme massacre et comme boucherie. C'est un deuxième Nakba. Et malheureusement, la première Nakba, il n'y avait pas les moyens de d'entendre ce qui s'est passé, l'exode des Palestiniens, malheureusement, les réfugiés qui sont partis de Jaffa, de Haïfa, de Acre, pour aller dans des camps de réfugiés. C'est le même scénario, c'est les mêmes personnes. On est les descendants de ces réfugiés-là qui sont en train de se réfugier une deuxième fois. Les mêmes occupants, parce que eux, à l'époque, c'était des milices de Haganah et d'autres milices juives. Oui. Et maintenant, c'est les descendants de ces milices-là qui deviennent une armée officielle. Et moi, je vais les filmer tout ça pour que ça reste pour l'histoire, pour que tout le monde sache ce qui s'est passé pendant cette guerre-là, pour qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire exode, pour qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire sortir de chez soi. Mm-hmm. Ils savent qu'est-ce que c'est humiliation, parce que la guerre, c'est pas juste être bombardé ou mourir à cause d'une bombe. La guerre aussi, c'est la guerre de l'humiliation que les Israéliens, ils sont en train de m'imposer pour nous, l'humiliation de mourir. On mort sur les bancs, mais on n'est pas, malheureusement, les gens, ils peuvent pas nous faire sortir des camps parce qu'il n'y a pas les moyens. On est humilié en sortant de chez soi parce qu'on a fui la machine de guerre. On est humilié quand on est sous les tentes. On est humilié quand on ne trouve pas d'aide humanitaire, on a besoin de manger, de boire. Mmh. On est humilié quand il lance bien des parachutages d'aide humanitaire comme quoi on est des chiens et ils sont en train de lancer des morceaux de viande. Tout ça, c'est l'humiliation et tout ça, l'occupation, ils essayent de nous humilier au maximum pour forcer les gens de fuir et pour forcer les gens de sortir de la bande de Gaza parce qu'ils veulent la terre. Et c'est pour ça que nous, notre façon de résister, c'est rester sur cette terre-là et surtout raconter tout ce qui se passe. Vous avez dit, Rami Abou Jamous, vous avez, en racontant, vous avez dit ceci. 90% des journalistes ont quitté la ville de Reza et sont allés vers le sud et vers Rafah. Les autres sont morts ou ont réussi à quitter le pays. Aujourd'hui, les seuls qui restent sont des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont devenus journalistes sur le tard et postent des vidéos sur Instagram. Certains travaillent avec Al Jazeera, racontiez-vous, car ils ne parlent qu'arabe. Ils prennent des risques insensés. Tous les correspondants des grands médias sont basés à Rafah, mais les journalistes restent menacés. Partout, c'est une réalité. Aujourd'hui, Rami Abou Jamous, la communauté internationale, le reste du monde, disons-le ainsi, célèbre la journée mondiale de la presse. Vous sentez-vous concerné par cette date aujourd'hui ? Non, bien sûr. On est abandonné par tout le monde. On est abandonné par le peuple palestinien en général est abandonné par tout le monde. Les journalistes palestiniens font partie de cette population qui est abandonnée par tout le monde. On est abandonné depuis 48. C'est pas nouveau. Malheureusement, ça ne choque pas d'être abandonné parce que c'est pas la première. J'espère que ça va être la dernière, mais je crois que c'est même pas la dernière fois qu'on est abandonné par tout le monde. Les gens, ils célèbrent la journée mondiale de la presse, mais il n'y a pas une protection pour les journalistes à Gaza. Il n'y a personne qui parle des journalistes à Gaza. Il n'y a personne qui parle des souffrances de la population de Gaza et les journalistes de la bande de Gaza. Bien sûr qu'on a abandonné ce jour-là et on le fait, c'est juste une des cérémonies où on boit de jus et on mange quelques gâteaux, mais sur place, il n'y a rien. Et vous allez voir, il n'y a rien, ça ne va se passer. J'espère qu'il y aura une condamnation, mais même la condamnation, je crois qu'il ne faut pas l'aboutir. Rami Abou Jamous, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir porté votre voix sur les ondes de la radio algérienne. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour vous de me donner cette chance de parler de Gaza via vos ondes et la radio algérienne. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci. Rami Abou Jamous est journaliste palestinien, fondateur de Raza Press, et il était avec nous à partir de Rafah. Le Conseil de sécurité qui peine à faire l'unanimité sur une quelconque résolution condamnant les attaques de l'armée d'occupation contre Reza est interpellé par le Soudan. Khartoum réclame une réunion d'urgence pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais via leur soutien présumé aux paramilitaires. L'agence de presse soudanaise a confirmé que le représentant du Soudan, Al-Harith Idriss, avait soumis cette demande. De son côté, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, Abu Dhabi a refuté les accusations sur son présumé soutien aux forces paramilitaires de Hamdan Daglo.
Avec nous en ligne à partir de New York, Monsieur Nordin Sati, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ambassadeur du Soudan aux États-Unis, haut fonctionnaire de l'ONU, principal adjoint des missions politiques et de maintien de la paix des Nations Unies, ancien membre du Haut Conseil pour la paix au Soudan. Monsieur Nordin Sati, le Conseil de sécurité devait se réunir cette semaine au sujet du Soudan, mais la réunion a été ajournée. Quelles sont les informations dont vous disposez à ce propos? Au lieu d'une réunion privée, maintenant il s'agirait de consultation à huis clos. Ce qui veut dire que le représentant permanent du Soudan ne peut plus y assister. C'est l'information que je viens de recevoir. Il semblerait que les membres du Conseil de sécurité, surtout les membres permanents, voudront non tenir beaucoup plus de consultations concernant cette question très sensible, extrêmement sensible, puisqu'il ne s'agit pas seulement de relations bilatérales entre le Soudan et les Émirats, mais cela implique beaucoup de monde, y compris certains membres du Conseil de sécurité, et les relations avec les Émirats sont en jeu aussi. Il y a des sensibilités. Déjà, il semblerait que les Émirats ne sont pas très contents parce que certains membres permanents du Conseil de sécurité nous ont pas défendus contre cette accusation du Soudan. Et donc, la situation semble être beaucoup plus complexe au Conseil de sécurité qu'on ne le croyait. Monsieur Nordin Sati, sur le plan humanitaire, c'est un véritable désastre que connaît actuellement le pays, le Soudan. Est-ce dire que ses intérêts, les intérêts de certains pays, relèguent au second plan une situation bien plus que désastreuse aujourd'hui? Oui, on peut tirer cette conclusion, mais il faut quand même faire la distinction entre la volonté d'assistance humanitaire et la volonté ou la possibilité de trouver un règlement politique et les interférences de type politico-diplomatique. Par exemple, j'ai assisté à la réunion qui a été organisée à Paris il y a quelques jours, le 15 avril, sur la situation humanitaire, et la communauté internationale a montré quand même une certaine solidarité pour venir auprès du Soudan. Mais il y a des complications qui empêchent cette volonté de se réaliser, de se transformer en action concrète. Donc, volonté d'assistance humanitaire, certes, mais confrontation à une certaine situation compliquée sur le terrain, surtout de type sécuritaire, qui empêche peut-être que l'assistance humanitaire arrive à destination. Moi, je ne peux pas généraliser en disant qu'il n'y a pas de volonté de venir auprès du Soudan, d'assister le Soudan du point de vue humanitaire, mais il y a défaillance diplomatique ou politique, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Nous allons un peu creuser ce volet que vous évoquez. Au cours de ces 12 derniers mois, plus de 14 000 personnes ont été tuées, des dizaines de milliers d'autres blessées, sans compter évidemment les Soudanais déplacés. Le soutien extérieur en termes de fourniture de matériel de guerre est la principale raison. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une relation, on va dire, de cause à effet ou une déclinaison, hélas logique, entre la situation humanitaire aujourd'hui et le soutien extérieur en termes, je me répète, en termes de fourniture militaire? Certainement. La continuation de la guerre impacte sur la situation humanitaire, c'est certes. Et ceux qui fournissent ces armes au Soudan sont responsables de la précarité, disons, de la situation humanitaire. Certainement, il y a un lien, disons, direct entre la fourniture d'armement et la continuation de la guerre, et par la suite, donc, la détérioration permanente et continue de la situation humanitaire. Alors, justement, ces parties extérieures que nous évoquions en début de cet entretien entretiennent cette situation pour des raisons tantôt militaires, tantôt politiques. Certainement, il y a toujours des objectifs politiques. Il y a certainement des raisons pour lesquelles ces forces de part et d'autre continuent à appuyer les uns et les autres des deux parties. Il y a des objectifs politiques, certainement, ou géostratégiques, qui sont parfois très difficiles, disons, à déceler et même à comprendre ou à justifier.
En début de cet entretien, nous parlions de l'ingérence de partis extérieurs. Est-ce qu'il faille aujourd'hui penser et dire que le Soudan est pris au piège des rivalités internes et d'ingérence étrangère? Absolument, absolument. Les rivalités internes qui impactent sur les ingérences externes et vice-versa. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée soudanaise avait été appelée à intervenir dans la guerre du Yémen. Donc, il y a plus ou moins, disons, une implication des deux côtés dans ce drame qui grippe le Soudan depuis plusieurs années. Et ce que nous assistons aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle phase dans cette rivalité entre les deux factions de l'armée, de les forces armées soudanaises, du côté l'armée officielle et de l'autre côté la FRS, qui se battent aujourd'hui sur les dépouilles de la nation soudanaise et du pays soudanais, avec l'assistance de certaines forces étrangères, qui est difficile à nommer maintenant. Nous évoquions les Émirats arabes unis, nous pouvons évoquer d'autres types d'ingérence. Selon le Wall Street Journal, l'Ukraine a également envoyé des commandos combattre auprès des FAR afin d'internationaliser la guerre contre la Russie. Que représente le Soudan? Quel enjeu représente le Soudan? Est-ce qu'il s'agit d'enjeux financiers? Est-ce qu'il s'agit d'intérêts stratégiques? Est-ce qu'il s'agit, tel que cela est présenté de façon basique, de mines d'or que certains voudraient continuer à exploiter? De quoi est-il question, M. Nordin Sati? Il s'agit de tout ça, madame. Il s'agit de tout ça. Il s'agit d'intérêts géostratégiques. Certes, le Soudan est un pays juste stratégiquement important, dans le sens qu'il se retrouve sur la mer Rouge. Et nous savons très bien ce qui se passe sur la mer Rouge aujourd'hui, dans le sud, que ce soit dans le sud de Bab el-Mandab ou bien dans le nord du côté de Gaza. Et l'embrasement du Soudan, la côte soudanaise, va affecter considérablement l'intérêt de beaucoup de pays. Donc le contrôle de la côte soudanaise est primordial pour les forces régionales et internationales. Le Soudan, là où se avoisine l'Égypte, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, le Tchad, la Libye, le Centrafrique, l'Érythrée et l'Iran. Il commande une position stratégique entre le Sahel et la mer Rouge. Donc, il y a beaucoup d'intérêts. Le Soudan aussi détient quand même des matières premières stratégiques qui sont importantes pour des industries nouvelles. L'or au Soudan, l'or du Darfour, du Kordofan, du Soudan central, du Soudan du Nord, du Soudan de l'Est, également attire beaucoup de velléités. Donc, il y a beaucoup d'intérêts et que le Soudan, qui a été négligé pendant trop longtemps, qui est minimisé un peu comme un petit pays politiquement, commande une position stratégique quand même qui attire beaucoup d'intérêts. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a eu visite d'une haute personnalité russe pour Soudan qui a exprimé son appui au gouvernement de Soudan. Donc déjà, la guerre Ukraine-Russie... Il faut quand même préciser que la Russie voulait construire une base ou installer une base militaire à Port-Soudan il y a de cela une année, M. Nordin Sati. Oui, il y a de ça un peu plus qu'une année, parce que c'était à l'époque où j'étais ambassadeur à Washington, et je crois que j'ai joué mon rôle pour rassurer les Américains que cela n'allait pas arriver. À l'époque, c'était une situation tout à fait différente. Nous essayons à l'époque à intéresser les Américains un peu pour accélérer leur assistance au Soudan. Quand ils se plaignaient, à l'époque, le président Trump en personne se plaignait du fait que le Soudan allait offrir à la Russie l'occasion de construire une base sur la mer Rouge. Et on a rassuré les Américains comme disant cela n'allait jamais arriver. Et qu'est-ce que les Américains offraient en contrepartie, M. Nordin Sati? Justement, il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de retard. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu beaucoup d'assistance qui avait été promise à l'époque, qui ne s'est pas matérialisée. Et puis, il y a eu le coup d'État du 21 octobre 2021.
qui a coupé la route à toute tentative de rapprochement avec les Américains. Monsieur Noureddine Sati, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Le 18 décembre 2018, le gouvernement soudanais triple le prix du pain, une décision qui va mettre le feu aux poudres et être fatale à Omar al-Bashir. Durant plusieurs jours, le mouvement de contestation s'intensifie et les revendications évoluent pour demander la démission de l'ancien homme fort du Soudan. Les protestataires se massent devant le quartier général de l'armée à Khartoum et appellent les militaires à les rejoindre contre le gouvernement du pays. De nombreuses arrestations ont lieu, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène et tirent à balles réelles. Quelques jours plus tard, nous sommes le 24 décembre, al-Bashir prend la parole pour tenter d'éteindre la contestation. Il dira « L'État va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens », rajoutant « J'appelle les citoyens à ne pas croire ce que disent les leaders du mouvement ». Le président déchu s'est également prononcé sur la répression des manifestations. Nous ne tuons pas les gens. Nous sommes ici pour assurer la protection et une vie de dignité et de luxe. Mais à la fin, seuls les justes l'emporteront. En fin de compte, nous sommes forcés d'utiliser des armes afin de renforcer notre sécurité. Mais dans ce cas, nous devons nous en servir avec le minimum de force de dégâts. Les protestations se sont vite transformées en un mouvement de contestation contre Omar al-Bashir. Le plus grand défi auquel est confronté le président depuis son arrivée au pouvoir depuis 1989. Liberté, paix et justice clament les foules. La mobilisation contre Omar al-Bashir franchit un nouveau cap le 9 avril au matin. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par la sécurité soudanaise sur les milliers de manifestants rassemblés près du quartier général de l'armée, laquelle a répliqué en tirant en l'air pour repousser les forces de l'ordre. Le 11 avril, une date qui amorce un virage important pour le Soudan. Le président Omar al-Bashir, au pouvoir depuis 3 décennies, est destitué par l'armée au terme d'un mouvement de contestation populaire. Et c'est le ministre de la Défense, Awad Ahmed Ben Naouf, qui annonce le limogeage. Un conseil militaire de transition est constitué et promet de restituer le pouvoir à un gouvernement civil, précisant que la période de transition pourrait même ne durer qu'un mois. Le général Omar Zain al-Abidine, qui dirige alors le comité politique, assure que l'armée n'a pas l'intention de conserver le pouvoir. Nous allons dialoguer avec toutes les entités politiques afin de préparer le climat aux échanges et à la réalisation de nos aspirations pour sortir de cette crise. Plusieurs morts sont enregistrées, plus de 2500 manifestants arrêtés. Le secrétaire général de l'ONU appelle tous les acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter la violence. Il appelle au plein respect des droits de l'homme, notamment de la liberté de réunion, de la liberté d'expression et à la libération des manifestants détenus, a dit son porte-parole Stéphane Dujarric. Le secrétaire général continue de suivre de près l'évolution de la situation au Soudan et réitère son appel au calme et à la plus grande retenue de tous. Il rappelle ses encouragements et espoirs antérieurs selon lesquels les aspirations démocratiques du peuple soudanais seraient réalisées grâce à un processus de transition approprié et inclusif. Le secrétaire général a réaffirmé que les Nations Unies étaient prêtes à soutenir le peuple soudanais dans la préparation d'une nouvelle voie à suivre. Participé à ce programme, Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Il a été également membre du Haut Conseil pour la paix au Soudan. Rami Abu Jamous, journaliste palestinien. Donald Cocioletta, historien canadien, membre de l'Observatoire sur les États-Unis.
Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli, Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.